Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Maintenant, l'arrivée de Coquelin, il avait de l'autre côté le Sénégalais. Dia, le ballon est un rien trop puissant. Estupiñán, l'Équatorien avec ce centre, il est bon, Gapou, en retrait, c'est but, il est là, le premier but pour Villarreal. 3 minutes de jeu, c'est le scénario rêvé avec le Sénégalais. Et Dia pour faire 1-0, incroyable, on est dedans, on est parti. Oui, et c'est exactement ce que voulait Unai Emery, évidemment, c'est de prendre tout ce stade et c'est de prendre à froid cette équipe de Liverpool, ce qu'ils ont complètement réussi à faire avec un jeu rapide vers l'avant, sur le côté avec le super centre. Et il est là le Sénégalais, tout le monde attendait Mané côté anglais. On a Boulaye Dia, champion d'Afrique aussi. Moreno, Lo Celso, le crochet. Alisson, il y a pénalty. Non, il a pris le ballon, dit-il. Il a pris le ballon. Ah, il prend le ballon en même temps que Lo Celso. C'est vraiment tout juste. Capou, c'est un bon ballon. Ah, et le contrôle est plus délicat, mais il a de la chance, hein, le Français. Il se remet sur le pied gauche au Coquelin. 2-0 pour Villarreal. Ils sont là dans les temps, évidemment. 5 minutes avant la mi-temps. La remontada est peut-être en marche. Les rêves de Villarreal, de tout un peuple, de toute une ville. Oh, exceptionnel. Alexander Arnold, oui, il va essayer. Et oui, c'est dévié. Et ça arrive sur la barre transversale. Roulier était battu. Gros moment là. Ouais, Fabinho bien fait. Superbe, hein, ce contrôle, ça n'a l'air de rien. Mais tout de suite, c'est face à son adversaire. Ça lui permet d'être là dans la surface de réparation. Il frappe et il marque. Et il marque, le voilà. Le but de Liverpool. Le 2-1. Et pour le moment, ce but-là, c'est le but de la qualif. On se demandait combien de temps Villarreal allait pouvoir tenir dans cette deuxième période, un petit peu plus d'un quart d'heure. Ouais, et le travail de Salah est prépondérant, mais là, je pense que Rulli peut faire mieux. Fabinho prend l'information, voit que le défenseur a anticipé sur un centre et donc il frappe fort. Luis Diaz qui passe encore, qui frappe et ça frôle le montant, ouais, ça sera un coup de poing. Regardez là au milieu, Keita complètement. Ils ont renversé la situation. Ouais. Hein. Alexander Arnold qui change de pied et c'est but. C'est but. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Luis Diaz, visiblement. Ça fait 2 buts partout. Changement payant pour Jürgen Klopp et Alexander Arnold qui va déposer un nouveau caviar là. Duel remporté par Villarreal dans les 20 premières minutes de la rencontre. 80%, alors que là, en parlant de duel raté et manqué, ça permet à Mané d'aller inscrire le troisième. Le but de la qualif. Sadio Mané, s'il vous plaît, avec une équipe et une défense de Villarreal aux abois. Désormais, ils n'y sont plus.
Capoulé dehors. Ouais. C'est fini. Allez, oui. Termine roi 10. Ouais, et c'était dans l'air. Ouais, ouais. Aussi bien avec Lo Celso qu'avec Torres, qu'avec Capou là. Ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League.